Kandinsky n'était pas du tout un intellectuel. C'était au contraire un artisan. Un artisan au plus haut sens du terme. Et c'est ce qui explique du reste qu'il a été fasciné par des véritables intellectuels du type Valéry. Le néoclassicisme de Stravinsky, par exemple, est impensable sans l'influence de Valéry, à mon avis. Une influence qu'on n'a pas du tout soulignée. D'ailleurs, on a parlé de Gide, on a parlé de Cocteau à son propos, on a parlé naturellement de peinture, on a parlé de Picasso, mais on n'a presque pas parlé de Valéry. Et à mon avis, je crois que Valéry avait, par exemple, fait des poèmes néoclassiques bien avant Stravinsky.